Hey, salut tout le monde, c'est Ultraman. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un deck Karma que j'ai un petit peu joué en live récemment. Deck qui a été créé par Ekop. Alors bon, Ekop, ceux qui ne le connaissent pas d'Hearthstone, c'est un joueur qui joue sur le serveur NA et qui a donc fait une grosse remontada avec cette decklist, qui est un petit peu l'évolution de ce qu'on connaissait avant sous le nom de Spooky Karma. Alors pourquoi Spooky, hein? Spooky veut dire terrifiant, effrayant en anglais. Eh bien, tout simplement parce qu'on joue île obscure dedans, voilà. Donc l'inspiration tient de là. Ce deck était surtout un deck extrêmement greedy, un deck qui moi me sortait par tous les côtés. Pourquoi? C'était un deck avec énormément de removal, avec des karmas et avec énormément de moyens de ressusciter karma. Soit par le raviveur, soit par les appels de la brume. Donc vous vous retrouvez dans une situation où soit votre adversaire remplissait le board de trèche, soit votre adversaire remplissait le board de karma. Dans tous les cas, vous étiez mal barré et c'était horriblement chiant. Eh bien, on a gardé la composante horriblement chiant, mais on a changé un petit peu le deck. Alors, pour ceux qui évidemment seraient les fervents défenseurs du contrôle absolu, la raison pour laquelle je dis que ce deck est chiant, c'est parce que ce deck n'a pas de wincon. Si vous regardez ce deck, il n'y a aucune carte qui vous fait gagner la partie. Comment vous gagnez? Bah, vous allez à la fatigue. Voilà. Vous êtes inoxydable, indestructible, ou en tout cas très difficile à passer, tout en ayant une value infinie. Pourquoi? Et c'est moi mon principal, ma la principale raison pour laquelle j'ai du mal avec Karma. Eh bien, c'est parce que Karma, à elle seule, est en fait un late game infini. Tout simplement à cause du spell qu'elle crée, même pas à cause de son effet qui est déjà très très fort, qui est lorsque vous lancez un sort, une fois qu'elle est level up, vous le lancez deux fois sur les mêmes cibles. Donc vous prenez une poigne de l'immortel, elle inflige désormais 6 dégâts, elle vous soigne de 6, et le tout en deux étapes. Donc attention, si la carte a moins de 3 PV, ou moins de 4 PV plutôt, ça ne s'activera pas deux fois. Le deuxième sort ira dans le vide, la créature étant morte. Mais ça fonctionne pour tous les spells. Ça fonctionne pour les éclosions mortelles, les volontés. Ça duplique le spell avant qu'il soit lancé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas rejet le spell pour empêcher les deux versions d'y aller. Donc il y aura deux versions. Et donc si tu veux rejet, tu vas devoir rejet deux cartes. En gros, ça devient quand même vachement compliqué à gérer. Mais ça, c'est que l'effet de la karma, hein. L'effet qui arrive du coup quand vous jouez karma après le T10. Non, non. Ça, c'est le sort de Karma. Vous créez un sort aléatoire dans votre main. Jusque-là, pour deux manas, c'est pitoyable. Mais c'est un instantané, donc il ne peut pas être contré. Retenez-le bien parce que ça va vous servir plus tard. Si vous êtes illuminé, vous en créez deux. Si vous avez Karma, vous lancez deux fois ce spell, hein. Donc vous créez quatre spells. Donc il y a déjà une certaine value qui a été faite. Mais surtout, la dernière ligne, comme tous les spells qui viennent d'un champion, si vous placez une Karma dans votre deck. Si vous dupliquez ce spell-là, vous mettez deux karmas dans le deck. Ça veut dire que quand vous avez karma sur le terrain et que vous avez une autre karma en main, eh bien jouer ce spell va vous mettre deux karmas dans le deck. Sous-entendu, eh bien à tous les tours, tant que vous avez de la karma, et ce même si votre adversaire est capable de remove votre karma du board, vous aurez une karma de plus dans votre deck. Voilà, il ne peut rien faire. Donc en gros, vous avez value infinie, même si votre adversaire à tous les tours tue cette karma. La seule chose dont vous avez à vous soucier, c'est de pas mourir. Alors évidemment, ne vous foirez pas. N'ayez pas trop de cartes en main, ne foirez pas votre mana et ne crevez pas avec vos PV. Mais voilà. Donc en gros, la seule wincon de ce deck, c'est la value infinie de karma et le fait de résister extrêmement longtemps. Ce qui fait que les decks aggro ont tendance à vous détester, mais genre vous détester sévère. Vous êtes vraiment un bon anti-aggro. Vous avez énormément de cartes tout simplement fortes contre les decks agressifs, et puis vous avez de quoi tenir très longtemps, vous avez des ruines pour finir le board, et vous avez eh bien, des raviveurs et karma pour avoir une sorte de value infinie. Parce qu'une fois que karma arrive et elle level up, à des points de l'immortel à 6 contre les decks agressifs, ça devient vraiment, vraiment compliqué de garder quoi que ce soit en vie. Donc, la version de base ne jouait pas Vengeance et jouait un aristocrate de plus. Je vous avoue que l'aristocrate, j'en ai pas eu beaucoup d'utilité, donc j'hésitais même à retirer les trois. Mais bon, je me dis que c'est une forme de résistance à l'aggro, donc pourquoi pas d'un côté, mais d'un autre côté, j'avais très envie de retirer j'avais très envie de retirer cet aristocrate. J'ai mis la vengeance, pourquoi? Parce qu'actuellement il y a un deck Spider qui traîne, qui est une autre itération des decks avec éclosion mortelle. Depuis le buff, cette carte est fort jouée.
et qui joue Ce qui endure, qui est une carte de Freylord. Et bah voilà. Octroyez-nous +1/+1 pour chaque allié qui est mort. Quand l'adversaire vous met une 17-17 et que vous n'avez pas vengeance ou ruin, vous perdez la partie, parce que vous pouvez la remonter dans la main, mais elle reviendra encore plus forte, vu que c'est quand nous sommes invoqués que son effet s'active. Donc, vous avez renvoyé une 17-17, tuez 3 cartes sur le terrain, elle reviendra 20-20, vous n'avez pas réglé le problème, vous avez juste sauvé vos points de vie pour un tour. Et vous allez avoir du mal à les tuer à la poigne de l'immortel, etc. Par contre, ils ont rien pour contrer la ruine, ils ont rien pour contrer vengeance. Donc je me suis dit, vu qu'on en voit pas mal, que la vengeance serait pas une mauvaise idée. Et puis ça peut servir aussi contre d'autres decks, notamment Demacia Midrange qui ne jouerait pas rejet. Il n'y a pas beaucoup de Demacia Midrange qui jouent rejet actuellement. Ça se jouait beaucoup il y a 2-3 jours, c'est un peu tombé en désuétude là tout de suite maintenant. Je sais pas vous dire pourquoi. Et effectivement, bah, la vengeance sur un Garen, sur une Citria, sur une Tiana, parce qu'il y a des decks qui jouent Tiana, c'est très très fort, sans compter la ruine évidemment. Donc voilà, je me suis dit qu'on allait prendre un petit peu de notre excellent match-up contre les vrais decks aggro et rajouter un petit peu contre les decks mid-range, voilà. Et ouais, contre les decks mid-range, de toute façon, j'ai rien. Mais c'est le seul changement que j'ai fait. Le deck est solide. Alors, on va vite passer en revue la decklist, mais c'est vraiment vite fait. Aristocrate malchanceux, c'est juste un body pour tanker. Il sert à peu près à rien, par le fait qu'il invoque une jeune araignée qui se fera buffer plus tard par l'éclosion mortelle. Hein, +1/+0 aux araignées alliées. Vous avez Elise, qui est tout simplement le meilleur T2 du jeu, voilà, ou probablement un des meilleurs. Elise est très très forte parce qu'elle crée de la value en arrivant sur le terrain. C'est pas une carte d'attaque, c'est pas vraiment une carte d'aggro en elle-même, c'est plutôt une carte d'anti-aggro. Et c'est ça qui est plutôt fort. Alors je dis ça, elle est jouée dans des decks aggro aussi, hein, mais c'est juste que ça, c'est une stat très solide, chiante à gérer sur un T2. Et puis le fait qu'elle invoque une 1-1 supplémentaire en attaquant, ça complique vraiment la tâche à l'adversaire. Aperçu de l'au-delà, classique, je vous ai dit, dans tous les decks il obscure, faudra un aperçu de l'au-delà, c'est quasiment une obligation. Vilfestin, pareil, obligatoire, dans tous les decks il obscure, c'est vraiment une carte qui est trop forte contre agression, et même contre midrange, ça peut servir à tout moment pour faire des bons trades, etc. Je veux dire, un PV, une jeune araignée et un dégât à l'adversaire, c'est énorme comme carte, elle fait vraiment beaucoup de choses pour 2 mana. L'araignée frénétique aussi, hein, à nouveau, très 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 forte pour 3 mana. Y a pas d'autre chose à dire, c'est toutes des cartes extrêmement fortes. Pareil, Assassin de Nombre, carte extrêmement forte et polyvalente qui permet de piocher une carte en insaisissable. Maintenant on passe aux cartes un peu toujours logiques en Ionia, mais qui sont pas des cartes automatiques. On a rejet, tout simplement pourquoi? Parce que vous êtes un deck fort contrôle et que vous êtes quand même un deck karma avec de la value infinie, vous voulez mettre des gros rejets dans les gros spells de vos adversaires, notamment contre les decks contrôle. Pourquoi? Parce que si vous avez value infinie avec karma et que vous l'empêchez de vous tuer, et bien a priori vous avez gagné la game. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les volontés d'Ionia, pareil, rester en vie à tout prix, donc les volontés d'Ionia font parfaitement leur taf ici. Les éclosions mortelles servent autant à l'agression qu'à rester en vie, parce qu'avec 3 bodies 2-1, vous avez de quoi bloquer plusieurs créatures en un tour, et ça c'est fort. Vous avez plus de board d'adversaire à 3 créas, vous mettez éclosion mortelle, vous avez un board, et vous êtes capable de bloquer toutes les créatures du deck aggro en face. Poigne de l'immortel, toujours aussi fort, vous drainez 3 PV d'unité, donc vous tuez une unité à 3 et vous vous soignez de 3. La karma, je vous ai expliqué en long, en large et en travers. Le faible gémissement, infligez un point de dégâts à toutes les unités ennemies, vous restaurez 3 points à votre Nexus. Donc c'est une petite AOE, mais qui vous soigne, c'est toujours utile. Le raviveur est toujours aussi fort malgré qu'il soit à 7. Il est juste moins fort dans les decks midrange, mais dans les decks contrôle, il est a priori toujours aussi fort. Donc le raviveur fait le café, même nerfé. Et puis surtout, en fait, la karma qui vient du raviveur peut vous permettre de transformer la karma de votre main en sagesse ancestrale de karma. Et du coup, de remettre 2 karma dans votre deck, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous connaissez la chanson à force. Donc voilà. La vengeance que je vous ai dit que j'ai rajouté, vous tuez juste une unité, et la ruine, vous tuez toutes les unités, y compris le board adverse. Voilà. Il n'y a pas grand chose de surprenant de cette liste. Au final, elle tient d'un concept très simple. Le concept de se dire, si je joue contre aggro, j'ai de quoi tenir le début, et si je joue contre contrôle, karma va me sauver la vie. Faut voir si ça fonctionne à tous les coups. J'ai testé, je sais que c'est pas le cas, mais le deck a quand même des gros avantages, notamment contre aggro du coup. Et il y a un deck vraiment solide et difficile à casser. Typiquement, là, je soupçonne un deck aggro avec Elise et l'Obscur et Piltover. Regardez cette main. Je ne suis pas sûr qu'il puisse faire grand chose contre cette main. Et donc cette main, pour peu que je pioche pas comme super mal, va me permettre de transitionner de mon early game qui est costaud jusqu'à mon late game. Il faut que je sorte d'ici. Voilà.
Hop, l'éclosion mortelle en plus, c'est vraiment fort. Il a toujours rien à mettre si je mets Daelys. Là, il met pas un petit. Il met même pas un petit spell à 3. C'est surprenant, je pensais qu'il serait agressif. Finalement, c'est peut-être pas un deck aggro. Du coup, on va faire attention, on va attaquer directement. On va en profiter. Parce que si c'est pas un deck agressif. Ouais, c'est pas un deck agressif, ok. C'est intéressant, du coup. Ça va, bon, je pensais que ce serait un deck aggro. Du coup, on va garder la mana. C'est bien d'avoir de la mana en réserve, c'est bien d'avoir des araignées. On passe au plan de jeu contrôle, c'est pas grave. On n'a pas vraiment rempli nos conditions d'agression ici. Donc on va plutôt passer au plan de jeu contrôle comme je disais. J'ai le choix, soit l'éclosion mortelle, mais je prends le risque de prendre un faible gémissement. Soit l'araignée frénétique. Je pense du coup qu'on va poser l'araignée frénétique. J'ai pas envie de poser l'éclosion mortelle si je peux pas faire un rejet sur le faible gémissement. Étant donné que ça a l'air d'être un deck contrôle, j'ai pas vraiment envie de perdre ma créa instantanément. En plus, s'il dépense du mana pour gérer l'araignée frénétique, bah, il aura pas full mana prochain tour. Ce qui m'arrange aussi d'une certaine façon. J'ai la karma en main, donc suffit d'attendre. Il suffit d'attendre. Oh, je vais le laisser m'infliger les dégâts, c'est ok. C'est ok, j'ai pas trop peur du fait qu'il m'inflige des dégâts. On va juste attaquer Face. Ok, le trade. Il a passé, on va passer. Je sais pas ce qu'il veut faire parce qu'avec juste Elise. Ah, c'est un deck Corina. C'est un deck Corina, mais oui. Ok. Je vois quel genre de deck c'est en face. Je vois quel genre de deck c'est en face. On a assez pour faire éclosion mortelle et rejet, donc on va le faire maintenant. J'ai bien envie de lui mettre une petite dose d'agression. Je ne sais pas si ça va marcher, mais je me dis que mon T7 est pas. Mon T7 sera pas mon meilleur tour. Donc il y a toujours moyen que j'en profite. Voilà. Ici ça va être une attaque directe. On va voir si lui peut faire quelque chose contre ça. Probablement le deuxième faible gémissement, malheureusement, s'il l'a, mais s'il l'a pas, on pourra en profiter et infliger pas mal de dégâts. Oui, ça passe, ça c'est vraiment pas mal. Regardez, on le met à 7 PV. Ça fait mal instantanément. Et puis ça doit balancer la ruine pour s'en sortir. Donc c'est cher hein. C'est cher de balancer la ruine pour ça. Il a pas encore Corina prochain tour. Il aura Corina sur mon tour à moi. Je vais pouvoir faire cet aperçu de l'au-delà pour piocher deux cartes supplémentaires et m'offrir plus d'options. Il vient de balancer la ruine. Il a pas de quoi gérer la karma. Je pense qu'on va mettre une première karma. Parce qu'une karma c'est une pression qu'il est obligé de retirer du terrain. Et comme il a pas la Corina, et ben ça peut l'ennuyer de devoir gérer la karma ici. Ok, hop, et crépuscule, ça peut être sympa aussi, créer trois copies de la karma et tout. Ça peut être fort. On a rejet, pas mal du tout. Donc à voir ce que lui essaye de faire. Par contre, on n'a pas assez pour faire éclosion mortelle plus rejet. Donc si je fais éclosion mortelle, il va sans doute me buter. Pas super efficace du coup. Pas super efficace. Par contre là il va essayer de nous mettre une Corina au tour d'après. Ok, on passe à 10 cartes en main. Bien surveiller de ne pas passer à plus que 10 cartes. S'il me fait la Corina, je pourrais rejet la Corina. Ce sera pas mal ça. D'ailleurs je peux rejet tout ce qu'il fait. Donc allons-y avec l'éclosion mortelle. S'il décide de me faire une Corina, comme j'ai dit, j'ai le rejet et puis j'ai encore 3 manas. Et avec les 3 manas, on essaiera de finir la partie. Avec les 3 manas, on essaiera de finir la partie. Réfléchissez. Ce rejet lui fait mal. Il ne doutera de notre détermination. Faut voir quel spell il a en main. Partez. J'aurais peut-être dû mettre un vide festin, peut-être que ça va jouer à la suite. Non, c'est bon. Parfait. Bon, bah voilà. Une première game, du coup, un petit peu atypique. Je savais que mon adversaire jouait, du coup, un gros contrôle quand j'ai compris que c'était Corina. J'ai décidé de l'agresser. Vous voyez que vous avez vraiment deux plans de jeu différents. Tous les deux basés sur cette éclosion mortelle. Qui sont, du coup, un petit peu surprenants, certes. Mais qui sont fonctionnels, hein, qui sont vraiment fonctionnels.
Donc voilà, c'est pour moi, c'est un deck sympa, c'est un deck sympa. C'est pas un deck facile à jouer, c'est un peu un deck Resident Sleeper si vous êtes vraiment dans un miroir de contrôle où vous vous infligez pas de dégâts, hein, où il n'y a pas de burst et tout le tralala. Ça peut durer une éternité, mais d'un autre côté... Ah, j'ai perdu la connexion. J'ai toujours la musique. C'est bon. Ouh, what? 244ème en Yasuo. Voilà une association bien étrange. Après, faut faire attention, les decks Yasuo sont... les decks Yasuo sont un petit peu étranges. Pour certains match-ups, c'est extrêmement simple de les gagner. Et pour certains autres match-ups, c'est assez compliqué. Donc, pas sous-estimer le deck juste parce que c'est Yasuo. Ouais, je me serais pas vu dire ça y a pas si longtemps, mais bon. Après, y a pas Katarina. J'ai plus peur des decks Yasuo Katarina, moi, perso. On peut mettre une bonne petite agression avec éclosion mortelle, mais il a des réponses. Hein. Dans son deck, il a des réponses. Si on va pouvoir conserver 2 mana, il va invoquer une 1-3, Yordle Tourbillon, voilà. C'est fou, hein. Le gameplay Yasuo est tellement original que... que je peux deviner toutes les cartes à l'avance. Oui, je suis un peu mauvaise langue. Mon ordre récompense. On va piocher un petit peu. Let's go. Une carte insaisissable pour mettre quelques dégâts supplémentaires. Je peux éclosion mortelle. Mais si j'éclosion mortelle, il va tous les étourdir. Si j'éclosion mortelle, il va faire l'étourdissement de masse là à 5 mana. Nul sommeil pour les. Et j'ai pas trop envie que ce soit le cas. Ok. Si Yasuo peut étourdir une de mes cartes, je vais faire aperçu de l'au-delà dessus. C'est ça. Je m'en doutais. Pour réduire la vitesse de développement du Yasuo et du Yordle, je vais sacrifier ma créature et piocher. Hein. Moi, c'est pas tellement négatif au final. Je dois essayer de placer cette ruine, mais cette ruine peut se prendre un rejet. Donc il faut que je fasse attention. Il faut aussi que je fasse attention à ne pas lui laisser trop attaquer mes PV directement. Ça peut être un problème parfait. Ça, c'est un super top deck. C'est vraiment un super top deck. On va juste sacrifier cette petite 1-1. Et vous savez quoi? J'ai bien envie de lui faire utiliser DRG en fait. J'ai deux possibilités ici. Soit je garde tout mes rejets entre guillemets. Et je rejette ses rejets. Soit je lui fais utiliser des rejets à l'avance. Je préfère la deuxième option ici. Ouais. Je vais faire assassin de l'ombre. Silencieux comme la mort. Peut-être araignée frénétique juste après, on va voir ce que lui fait. J'ai toujours de quoi faire rejet. Il a un board qui est dangereux, hein. Yordle plus Yasuo, c'est un board dangereux. Ok, ici il peut plus rien faire d'autre. Bon résultat. Donc je peux juste remonter cette arénaire avec la volonté. Et attaquer avec ces deux cartes. Tombe. J'ai principalement envie de gagner des tours. Ce sera rapide. Ok. Ouais, j'aurais dû le remonter puis attaquer. C'est une erreur de ma part. Ouais. C'est tout bête, hein, mais j'ai perdu 3 points de dégâts en faisant ça comme ça. Si c'est, ça peut être important. Une lame, un but. On va sacrifier la 1-1. Faut vraiment protéger ses PV dans ce match-up. C'est limite ce qu'il y a de plus important. Quand j'arriverai à 13 mana, je pourrais faire ruine suivi de rejet. Donc il lui faudrait 2 rejets pour résister à la ruine. Ce qui est quand même assez invraisemblable a priori. Okay. Je garde suffisamment pour rejet au cas où. Je sais pas trop au cas où quoi, mais... Ferait-il une attaque gênante? Il garde aussi la mana, donc à mon avis, il doit y avoir du rejet dans sa main aussi. On va tranquillement se laisser arriver jusqu'à...
jusqu'à 11. Hein. On va tranquillement se laisser arriver jusqu'à 11 ici. Ok. Il a pas l'air d'avoir si peur que ça pour ses PV, pourtant il est vachement bon. Ce que vous voudrez pour un bon prix. C'est une méthode comme une autre. Nous rétablirons la paix. Je pense que je vais mettre une karma. Parce que j'ai le raviveur, donc bon, au fond, je l'appelle toujours le revenant, c'est le raviveur. Je vais jamais m'y faire, les gars. Ok, les graines semées, c'est la pire carte. C'est pas grave. C'est pas grave. Ma petite 1-1 ne bloquera plus grand chose. Bon, maintenant, vous voyez que cette 3-3 va vite devenir problématique, vu que cette combinaison de cartes est sur le terrain. Ceci dit, comme j'ai dit, au prochain tour... Ah, bah pas au prochain tour. Je les achèverai. Pas au prochain tour. Ça va être ce tour-ci. Je vais juste faire une ruine là-dessus. 3-6-8. 3-6-8. Donc faudrait que j'utilise les graines semées. Ouais. 3-6-7. Ils me mettent tout en main. Et puis je mets la ruine. Sortez vos parapluies, les coups. Il va même pas les tuer parce que Yasuo et... ne les veulent pas. Puis moi je vais juste mettre la ruine parce qu'il a pas le mana pour m'en empêcher. Il a que 3 mana ici les amis. Hein. Il a pas 4 mana donc il y a pas de rejet possible. Je sais pas pourquoi il a fait ce play là, il a été impatient pour le coup. Bah oui. Non, il a vraiment été impatient, il aurait dû attendre, au moins me faire peur, me faire croire qu'il avait rejet, même s'il les joue pas, je sais pas. Là il a un peu tenté un tout pour le tout, mais qui avait très peu de chances de fonctionner. Bon bah voilà. Écoutez, on est bien remonté. Faut savoir que j'ai fait un petit pic à genre 1600, je crois, en stream. Voire même plus, je pense qu'on est tombé à 1808 à un moment. C'était vraiment l'enfer. Donc bah, c'est bien, on a fini par remonter. Hein. On a fini par remonter en jouant des bons decks. Hein. Karma Lux, Karma Aise, Karma Elise. Non, je joue pas que Karma, j'ai aussi un deck Demacia Midrange. Je suis désolé, mais c'est vrai que j'avais un petit peu prédit. Avant le dernier patch, que Karma pouvait être problématique. Et je trouve que Karma est un peu trop forte, vraiment. Surtout les decks avec Karma, il y en a beaucoup de viables. Mais bon, écoutez, c'est pas la fin du monde, c'est pas quelque chose de complètement OP. C'est plutôt... disons que cette carte-là... en anglais, ils disent enable. Cette carte-là permet trop... Comment dire? Cette carte-là crée trop de decks en fait. Cette carte-là autorise trop de synergies à exister. Synergies qui ne devraient pas exister de base en fait. Typiquement, vous voyez ici, il n'y a pas vraiment de synergie entre Elise et Karma. Il n'y a pas vraiment de synergie entre le Pack Spider et Karma. Mais, eh bien, le Pack Spider, c'est un bon anti-aggro. Karma, c'est un finisher en termes de value qui est absolu. Donc, c'est pas une value absolue, hein, mais. En fait, si justement, c'est une value absolue, mais c'est pas quelque chose qui va détruire l'adversaire à tous les coups. C'est pas comme le deck qui crée des dizaines d'anivia. Parce que le deck qui crée des dizaines d'anivia va tuer l'adversaire. Ici, non. C'est juste que vous ne perdrez jamais en piochant des cartes. Vous ne perdrez jamais à la fatigue. Vous ne perdrez jamais avec l'adversaire qui vous contrôle. C'est pas possible de perdre face à un contrôle. C'est possible de perdre face à des créatures qui attaquent. Ça, je dis pas. Mais c'est impossible de perdre face à un contrôle. Et c'est fou que Karma ait ce pouvoir, en fait, qui fait que, du coup, Karma est le seul deck contrôle viable parce que le meilleur contre à Karma, eh ben, c'est Karma. Je sais, c'est un peu... Donc, voilà. C'est un petit peu déroutant. Mais bon, donc, Karma à surveiller. Hein. Elle est pas loin d'être OP. Sur ce, les amis... Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère quand même que vous pourrez vous amuser avec ce deck, même si je sais que la plupart du temps, vous aimez pas jouer les decks qui sont forts. Je dis pas ça pour tous, pour chacun d'entre vous, mais les decks top tier, ça fait un peu peur aux gens, et comme Karmalet, je sais pas, on verra bien. En tout cas, moi, ce deck, je le trouve fun. Ça me dérange pas de le jouer. J'ai fait des parties en stream qui ont duré 40 tours, c'était ridicule. J'ai tué un adversaire au rang 39, parce que je me suis rappelé qu'il y avait la limitation de tours, donc... On peut avoir des parties de folie avec ce deck. Si vous aimez ça, vous allez kiffer, j'en suis sûr. Passez une excellente journée, merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Ultraman, on se retrouve la prochaine fois.
Ciao tout le monde.